Ok, salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. On se retrouve à Fitness Park Héna Beaumont qui ont la gentillesse de nous accueillir. Direct, on commence la vidéo, code promo. Un mois offert à Fitness Park Héna Beaumont ou Arras avec le code Fitness Fusion, les gars. Donc, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on va parler de notre nouveau sponsor, qui n'est pas des moindres. On l'a bien placé, les gars. Donc, plusieurs produits mis en ligne sur le site grosdoué.com. Nouvelle marque de compléments alimentaires créée par notre ami Avener. Non, je vais pas répéter. Il est quoi? Le peuple élu. Donc, nous, on a décidé de rejoindre le peuple élu en espérant qu'on ait des retombées financières. Moi, ça y est, moi, je vais à la synagogue après, petite kippa, je vais aller faire mes bails. Hein. Bon, vous savez, on l'a pas seulement fait pour l'argent, mais on rappelle qu'on a quitté un fixe qu'on avait chez QNT qui nous aidait énormément pour les vidéos. Là, on en a pas avec Grosdoué, donc on compte sur vous pour montrer à Avener qu'on a une grosse communauté. Utilisez notre code FUSION10 sur le site internet. C'est le moment de tester, c'est nouveau en plus. Ouais, parce que si on n'arrive pas à lui prouver qu'on a une grosse communauté, on est foutu. Nous, les grosses vidéos, on arrête. Valentin, le vidéaste, hommage. Ça va retourner dans le garage en slip. Si on a quitté QNT, c'est parce que la marque, elle nous convenait quand même, elle était bien, on va pas se mentir, ils faisaient des bons produits, etc. Mais l'image de la marque, elle était trop orientée en mode fitness, genre les mecs qui vont à Décathlon, pas des go muscu purs. Et même si on s'appelle Fitness Fusion, on s'est bien rendu compte sur le long terme que notre communauté, c'était des go muscu. Sur le sondage qu'on avait mis, il y en a beaucoup qui consommaient Nutrimuscle. C'est quasiment la même chose, mais celle-là est meilleure. Sur certains produits. Bah, sur beaucoup. On a toujours été honnête avec vous. Quand on a pris QNT, on vous a dit que c'était pas la meilleure du marché, mais que c'était la meilleure qualité-prix. Rapport qualité-prix, on était dedans. Celle-ci, c'est la meilleure du marché. Sur certains produits, elle est équivalente à Nutrimuscle, mais sur d'autres, comme les Oméga 3, qu'on retrouve ici, c'est les meilleurs du marché, les gars. Après, on parle rapport qualité-prix, parce que des marques de whey très, très, très haut de gamme, il y en a, mais tu vas payer ton kilo 150 balles et voilà, quoi. Faut pas déconner. D'ailleurs, dans la suite de la vidéo, on va comparer les produits de Grosdoué avec ceux de QNT, vous dire ce qui est mieux, pourquoi on dit que ça, c'est la qualité et que QNT, c'est un peu moins bien. On va commencer d'abord avec les packaging. Qu'est-ce que tu penses de ça déjà? Parce qu'on a quitté un truc orange, noir. Sur la fin, il commençait à s'améliorer, mais on n'était pas encore dans le thème. Là, les statues grecques, on est de où? On est de Calabre. Il y a quoi? Il y a Milan de Crotone. Les statues comme ça, on connaît bien. Ça nous représente parfaitement. Tu veux quoi de plus? Les couleurs de Fitness Fusion. Ouais. Nous, vous savez, c'est noir, blanc et jaune. Une petite touche de jaune, tu vois, ça ferait bien. Ça pèterait, ouais. Peut-être qu'un jour, on aura notre marque de compléments alimentaires et on fera un peu dans ce style-là une petite. Un petit partenariat avec Grosdoué, tu vois. Mais en tout cas, ça, c'est pas simplement un pot, c'est aussi un objet de déco, les gars. Donc, vous voyez, là, ils sont posés sur la table, ça habille la table tout de suite. Parce que, ouais, si tu stockes ça chez toi sur une armoire, faut quand même que ça rentre bien. T'es pas l'air d'un con, quoi. Donc, ça, vous pouvez les étaler dans votre salon, c'est un bel objet de déco. Je suis d'accord. Et au niveau des statues, tu les connais, ces gars-là, ou? Non, mais je crois que chaque produit a sa statue. Ouais. Donc, sur les Oméga, je crois que c'est Poséidon, tu vois, c'est un truc comme ça. Ouais, si, c'est ça, il a mis Poséidon parce que ça vient de l'eau et tout. Pour les nouveaux produits qui vont arriver, là, d'ailleurs, 2-3 jours après cette vidéo, ou peut-être même au moment de cette vidéo, il y aura la créatine et la whey qui sera disponible sur le site internet et ça sera d'autres statuts, donc allez voir ça. Et n'hésitez pas, allez-y pour vous en procurer parce que rupture de stock très rapide. Ah, ça va tout le monde plonge dessus, oubliez pas. C'est une nouvelle marque, ouais. Tout le monde l'attendait, donc c'est le moment. Et hein. Même on est de nombreux gros influenceurs dessus, entre guillemets. Nombreux, tu pourras en faire la promotion, donc ça part très vite. Ah, bah, il y a toute une équipe, vous avez vu, il y a plusieurs ambassadeurs. Il y a Kylian Adion, Coach Louvard, Pimous de Fitness Fusion, ouais. Incroyable ce mec. Gigio de Fitness Fusion. Le mec le plus esthétique du groupe, c'est lui de façon. Avener, qui est un des piliers de la marque, et logique. Avener, qui a fait une superbe transformation, ouais. Pour l'occasion. Et en collaboration avec Alexis, ils travaillent ensemble du coup. Qui est un ancien mec qui bossait chez Nutrimuscle. Donc il connaît le milieu. Il connaît très bien le milieu du coup. Et l'équipe, c'est aussi ça qui nous a fait venir chez Grosdoué. Au-delà de la qualité qui était vantée par Avener lorsqu'il nous a démarché, c'était surtout l'équipe qu'il y avait autour de ces produits. Parce qu'on a quand même deux mecs, Coach Louvard et Kylian Adion, deux coachs qui ont un super physique, donc ils savent ce qu'ils font. C'est des mecs qui s'y connaissent vraiment. Et s'ils ont quitté Nutrimuscle pour venir chez Grosdoué, c'est une raison. De toute façon, c'est pour ça qu'on n'est pas parti chez eux, sinon la marque elle nous intéressait. On est la marque était intéressante. Je ne dis pas que ce sont des mauvais produits, ils font des bons produits. D'avoir découvert Grosdoué parce qu'au final, c'est les mêmes produits. En fait, il y a plusieurs usines. C'est Nutrimuscle qu'on a amélioré. C'est ça. Il y a plusieurs usines qui fabriquent ces produits et ensuite, vous avez juste à choisir la qualité. Il y a plusieurs gammes, par exemple, sur la protéine. Et Avener, il a fait en sorte de toujours prendre le meilleur. Il a ensuite rajouté un beau paquet et maintenant des ambassadeurs pour présenter cette marque. Et pourquoi nous, vas-y, on va parler des piliers de la marque.
on est sexy. Il a dit je vous suce, donc je vous prends. Il a dit ça, et moi il a dit j'étais sexy. C'est vrai. Je me souviens. Non, il a dit je cherche des gens qui m'impressionnent et qui me motivent. Ça veut dire on est des gens motivants. Et Bodytime, ils ont dit la même chose de nous en soi. Ouais, mais faut qu'ils arrêtent. Hein. Il faut qu'ils arrêtent leurs conneries. Regardez quand on commençait la musculation et aujourd'hui ils commencent à nous valider. Moi ça va plus dans ma tête, je sais plus ce qui se passe, gros. En gros, Avener avec cette marque, il a voulu faire une marque donc de qualité, des produits faits en Europe, et il a voulu que cette marque elle représente vraiment des gens athlétiques, forts. Esthétique, tu vois vraiment des gros sportifs, un truc vraiment purement sportif. Ça ressemble un peu aux anciens. À des dieux grecs, c'est voilà. Exactement ça. J'ai bien aimé aussi leur transparence, ça c'est ouais. Un truc qu'ils veulent mettre en avant. Ils n'ont pas dit fait en France, alors qu'il y a plusieurs produits, ouais. Plusieurs ingrédients qui viennent de France, mais comme la totalité des produits ne vient pas de France entière. Mais d'Union Européenne, voilà. Ils ont bien précisé sur tous les paquets fabriqués en Union Européenne. Sachant qu'en Europe, on a quand même des bonnes normes de fabrication, etc. Donc ça va. Donc transparence et qualité, la qualité c'est surtout dû au label en fait. Chaque produit, vous avez le meilleur produit possible parce qu'il y a un label pour vous le prouver. Les gars, c'est pas juste des paroles en l'air. Ouais, je crois qu'il y a des études scientifiques, un truc comme ça, qui valident le produit, etc. Ils analysent le produit et s'ils respectent certaines conditions, ils peuvent se permettre de mettre un label comme la créatine, par exemple. Si vous achetez une créatine, les gars, assurez-vous bien qu'il y a le label Créapure. Sinon, elle vaut rien, votre créa. Donc là-dessus, sur tous nos produits, on a les labels. Même sur le collagène, j'ai vu, ils ont un label halal. Donc pour tout ce qui est pour les musulmans, le collagène, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est halal les gars. Mais ça vient de où le collagène en soi sinon? D'Algérie, de chez moi. C'était rapide comme réponse. C'est pas du tout les gars, mais en tout cas il y a le label donc vous pouvez faire confiance. Tout ce qu'on dit là est vérifiable sur le site internet, donc allez-y, checkez un peu, faites le tour, le site est magnifique. Il y a quelques photos de Kimus tout nu en plus que vous allez apprécier. C'est vrai. C'est le moment de parler de la qualité de Broadway. Pourquoi on dit que c'est de la qualité par rapport à QNT par exemple? Sans assommer QNT qui ont été très correctés. On va quand même les enculer en disant ça, tu le sais très bien. Non, mais on l'a toujours dit, c'est le meilleur rapport qualité-prix, mais sur le marché, il y avait de meilleurs produits. Donc celui-là est meilleur, pourquoi? Parce que simplement, quand tu achètes de la whey, il y a vraiment que de la whey. Quand tu achètes du magnésium, ils vont pas rajouter des ingrédients qui ne servent à rien. En comparant avec QNT, tu regardais les étiquettes, des fois, sur certains produits, il y avait des listes d'ingrédients énormes. Là, vous pouvez regarder sur chaque paquet, au dos de votre paquet, la liste d'ingrédients, elle est minime. C'est vrai. Il y a l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on parle de qualité, les gars. C'est parce que c'est un produit pur. Ils ajoutent pas, en fait, un petit peu de truc à gauche, à droite pour compléter, quoi. Voilà, ça, c'est pur. Tu veux de la bonne canne, tu prends du Broadway. Ça, tu peux te le prendre en rail, gros. Pas de problème de santé. Moi, un seul truc que je peux reprocher, c'est la whey. C'est exactement comme Nutrimuscle. Quand tu mets dans un shaker, si tu mélanges, tu shakes, ça mousse. C'est parce que t'as pas la bonne technique de shakage. Toi, tu fais comme quand tu LeBron James. Ah ouais. C'est pas ça, les gars. Ça, c'est bon pour les whey qui rajoutent des produits chimiques pour justement que ça mousse pas. Donc tu peux secouer comme ça, il n'y aura aucun souci, ça va pas mousser. Ça, c'est de la qualité. Donc faut en prendre soin, les gars. Je vais vous mettre une vidéo à l'image, l'associé Alexis qui nous apprend à shaker un produit Broadway pour justement pas que ça mousse, les gars. Faire un shaker sans mousse. Hop, 1, 2, 3. Enfin, il y aura toujours un peu de mousse, mais beaucoup moins. Voyons donc. Là, je vais verser genre vraiment pas beaucoup d'eau. Genre juste ça. La technique, c'est. Je le tape une fois. 1, 2, 3. Et après je fais des petits à-coups comme ça là, tu sais, un peu comme les biberons. Hein. Je fais des petits à-coups, comme j'aime bien prendre dessus. Et du coup là, il y a beaucoup moins de mousse, tu vois. Du coup après je rajoute mon eau. Ça c'est mélangé. En fait, prenez le temps, les gars, c'est un produit de luxe. Quand vous allez au resto, ils vous ramènent une assiette, un bon produit, ils vous le balancent pas comme ça dans l'assiette. Ils font un peu de manière. Bah, vous faites un peu des manières avec votre shaker, prenez-en soin. Masse-le, mets-le dans ta bite, fais des trucs avec. Tu vois, il y a toujours des bites. Maintenant que lui il a montré comment on fait, moi je te propose que tu fasses un shaker et que tu goûtes. Moi j'ai déjà goûté. C'est le premier shaker et c'est bon. Et je voulais pas partir chez Nutrimus parce que justement c'était le goût qui me répugnait. Qui te bloquait. Je vais être honnête. Après il m'a dit tu mets. Non, il n'a pas assez là. Non, je vais faire mélange comme il m'a dit. À la fin ça va être full mousse et je vais me foutre de sa gueule. Hein. Ok les gars, donc dans le sachet il y aura pas de scoop, c'est éco-responsable donc on essaie de mettre le moins de plastique possible. Nous on en a pris une. Après en soi rien vous empêche si vous avez déjà un pot, vous le jetez, vous gardez la scoop et vous avez votre scoop mais faut la garder. Moi j'utilise des cuillères ça. Après une cuillère, il m'avait dit une cuillère à soupe ça correspondait à 10 grammes. À 10 grammes. 10 grammes, 3 cuillères à soupe ça fait 30 grammes. Voilà donc si vous voulez remplacer un scoop, vous mettez 3 cuillères à soupe simplement. Elles sont bon. Je l'ai senti, elles sont très bon. Ils vont croire que je mitonne. On est des vendus. Le mieux, c'est de prendre une cuillère. Secoue-le comme ça. Ouais, mais avec une fourchette, ça aurait été mieux. Le mieux, les gars, avant de faire ça, avec une fourchette. Avec une fourchette, tu touilles en fait pour enlever. Donc là, on a mis un petit peu d'eau. On se mélange un peu. Secoue doucement Hamoldik parce que je sens que ça va mousser. Moi je te conseille de faire des petits trucs comme ça. Ouais, il est fait comme ça dans la vidéo. Voilà, tu vois, et voilà. Faut en prendre soin, les gars. Secoue bien là. Cajoler les gars. Oui, il faut ça commence à mousser. Délicat. Il est trop tard.
Ne mousse plus, ne mousse plus. C'est tout là, c'est suffisant. Bon les gars, faut voir. Il y a de la mousse. Un peu. En vrai, il y a de la mousse. Le mieux, c'est d'appeler Alexis qui vienne le faire chez vous. Moi, je le fais qu'une fourchette, j'ai zéro mousse. Ouais, je pense que ça sera mieux. Et puis avec le temps, je vais apprendre à mieux les checker. Abdullah. T'as des grumeaux, c'est sûr? Non. Non? Non. T'as de la chance. Et elle est bonne. C'est du chocolat, c'est valeur sûre de toute façon. Y a pas de secret, hein. Goût choco, c'est valeur sûre. Pas de grumeaux. Elle est bonne? Tu veux un peu? Moi, je l'ai déjà testé, gros. J'en suis au moins à mon troisième shaker, donc c'est bon, là. En plus, j'ai déjeuné ça ce matin, alors. En vrai, elle est pas écœurante. Mais j'aurais voulu qu'elle soit pas bonne pour leur dire, sinon ils vont le croire que je suis un mytho. Après, attends, on n'a pas testé les autres trucs, tu vois, parce que chez Nutrimus, c'était goût sable, tous les trucs comme ça. Là. Bah ouais, c'est ça que j'aimais pas. Magnésium, collagène et tout. C'est là qu'on va savoir ce qu'on goûtera, ça. Bah franchement, elle est bonne. Y a plus de mousse, hein, ça y est. Ouais, la mousse est descendue. Non, franchement, super. Bon, je vais finir. Finis-le. On va pas gâcher. En vrai, elle est bonne. Bon, les gars, si vous aussi vous voulez la goûter, elle est disponible dans 2-3 jours maximum si elle n'est pas encore sur le site. Allez voir, peut-être que c'est déjà dispo. Code FUSION10, vous avez moins 10% sur votre panier. Et 10% dans notre poche. Et aussi, vous contribuez au bien-être financier de Fitness Fusion. Voilà, et oubliez pas, c'est comme tout, de toute façon, plus vous allez prendre en quantité, moins ça sera cher. Tu prends 500 grammes de whey, ça te coûtera plus cher que si tu prenais 3 kilos directement. C'est comme tout, c'est comme au magasin de toute façon. Le prix au kilo est toujours moins cher. Prenez des sachets de 3 kilos direct, hein, Nick. Ouais, les gars, première commande, montrez à Avner qu'on est là, comme ça on va toquer à sa porte. T'as de l'argent, nous aussi on en veut, et comme ça derrière on fait des gros concepts. Moi je suis d'accord. Parce que là c'est fini, on va plus visiter. Non, là on commence à être en slip. Là on commence à vraiment être en slip. On est parti à Paris, à Meda, on va rester à Hénin-Beaumont, on va être bien. Est-ce qu'on peut expliquer vite fait à quoi tout ça sert quand même pour s'il y a des petits nouveaux? La whey classique, c'est de la protéine. Pour tes apports en protéines journaliers, c'est rapide, efficace, simple. 1,6 g à 2,2 selon vos objectifs, les gars. Grammes par kilo de poids de corps. Les oméga 3, les gars, c'est bon pour la peau. Ça évite les inflammations, là, bon, c'est pour le cœur. Santé du cœur, cerveau. Elle est hyper concentrée en EPA, DHA, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est la meilleure du marché, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et elle est d'origine marine, donc pas d'origine végétale, donc elle est qualitative. Ça, c'est le meilleur complément alimentaire possible à prendre. Bon, je ne suis pas spécialement d'accord avec lui, mais c'est un bon complément alimentaire. Qu'ensuite, vous avez le magnésium, ça va vous servir à réduire la fatigue musculaire, ça va vous servir à améliorer la synthèse protéique. Ah ouais, toi, t'es scientifique. Toi, dès que tu mets les lunettes, de toute façon, tu sors des termes. La synthèse protéique, en gros, tu vas mieux absorber les protéines. Tu prends ton magnésium avec ta whey, tu absorberas mieux les protéines. Et le collagène halal. Halal, évidemment. Donc ça, c'est pour la peau, c'est bon aussi. Protection tendineuse, articulation. Voilà, pour avoir un vrai corps de statut grec, les gars, faut utiliser les produits Broadway. Et en tout dernier, les multivitamines. Faut être un grand consommateur de multivitamines. Le matin, oméga 3, multivitamines. Et là, je suis prêt pour faire une bonne séance. Bon, voilà, les gars. Faut nous donner des sous, hein, parce que voilà, c'est bientôt la fin des haricots. Hein. Non, vraiment, là, ça y est. Et oubliez pas, on les rigole, gars. Mais... Sérieusement, entre on rigole vous plus, et là, nous. Vraiment. Nous, là, on rigole. Ça fait 4-5 ans qu'on fait des vidéos et tout pour le plaisir. On met du budget dans les vidéos, là. On est parti de zéro. Quand même, tout ce qui nous arrive, c'est fort. C'est du bonus. On a réussi à s'associer avec des mecs qu'on regardait quand on était plus jeune. Fitness Park qui nous accueille grand ouvert. Il y a plein de marques qui nous accueillent les bras grand ouvert. Mais ça devient compliqué parce que nous, on avance dans l'âge. Ça fait 10 ans maintenant qu'on pratique la muscu. On essaie de vous apporter des contenus innovants comme le jeu de loi, comme les duels de testo. Il y a plein de choses. On a notre marque FF. Je pense que maintenant, vous la connaissez tous. Elle a des valeurs. Force et fun. Force et fun. C'est du plaisir avant tout. Nous, c'est pour ça qu'on a voulu partager ça sur YouTube. Maintenant, ça fait 4 ans qu'on le fait. Et les gars, on a besoin d'une communauté derrière nous. Ouais. Donc, c'est pour ça que vous voulez que ça continue, en tout cas. Voilà. Et même nous, on a envie que ça continue, donc on a besoin de vous. Après, voilà, si jamais vous voulez que ça continue, évidemment, l'aventure, qu'on continue de vous faire des vidéos de qualité, etc. Parce qu'en soi, si on n'a plus de budget, on va juste se retrouver à faire des vidéos bof. Donc, si vous voulez continuer à nous aider à faire des gros concepts comme on fait là, quand on visite les salles, etc. Et vous voulez une contrepartie en plus, bah, vous pouvez prendre un coaching sur le site Fitness Fusion, coaching personnalisé, coaching avec suivi. Vous pouvez prendre des programmes qu'on a déjà préparés, préfaits avec les chargements. Avec les chargements qui vont de 0 à 100%. Donc, voilà, il y a des contreparties quand même. Si vous nous soutenez, vous avez quelque chose en échange, toujours. On peut leur donner des chiffres. Alors si on compte cadrage, montage vidéo, juste étape par étape, le cadrage, combien par mois? Le cadrage, on est aux alentours 180 la vidéo. On est aux alentours des 100, 700 et encore 720, c'est un prix. Ouais. Il nous fait un prix. Ouais, vous voyez la qualité les gars, ça vaut pas 720. Ouais, ça vaut plus. Ça vaut facilement. Niveau montage, on est à 100€ la vidéo à peu près, entre 300, 100 et 150€. Pour comprendre. Hein. Non, 300 la vidéo. Moi je me calque sur les prix. Moi je fais sur Pimous, c'est pour ça aussi. 1200 plus 600, 1800. Miniature, ça va, c'est 10€, je crois. Au maximum 12, entre 8 et 12€. Donc là, juste pour la production de vidéo, on a 1008-2000. 1008, alors qu'on fait moins de vidéos qu'avant. Là-dessus, faut aussi rajouter les déplacements pour en faire des vidéos. Ah oui. Faut payer les trains, les voitures, les hôtels, le manger sur place. Compte entre 2200 et 2500, je dirais en gros. Donc à la fin, il nous reste niente. C'est pas pour nous qu'on fait. Même pas, il nous reste niente, c'est qu'on tape même dans les économies en fait. Et c'est ça le problème. Sachant qu'au départ, lorsqu'on n'avait pas
tous ces revenus-là pour payer la vidéo et les déplacements, c'était de notre poche. Ouais. Donc au début, on se mettait, nous, dans le négatif. Maintenant, ça va, on arrive à être stable, mais on n'arrive toujours pas à en vivre. Voilà. Donc c'est difficile, ce monde-là. Surtout que nous, on est deux. Donc en société, en France, c'est on se fait massacrer. En tant qu'entrepreneur, on pourrait en vivre. Tu pourrais en vivre, je pourrais en vivre, il n'y a pas de problème. Mais là, la France nous prend plus de 50% déjà. Donc d'entrée de jeu, sur 2000, on perd 1000 balles. Voilà, donc, ça, y a pas de... on reste en France, on va rester en France. Mais les gars, on a besoin d'une grosse communauté. Donc si vous voyez que la qualité a augmenté sur Finesse Fusion, si ça vous plaît vraiment cette chaîne YouTube, faut soutenir à un moment. Faut soutenir. Les gars, un like, un commentaire, ça coûte pas cher, c'est gratuit. Fait mendiant, sinon on dirait des clochards. Moi, je suis un Roumain. Donnez-moi. Un Roumain. J'adore faire ce que je fais là. Question. Vraiment, on kiffe faire des vidéos et tout, ça défonce, on kiffe la muscu depuis longtemps. Vous avez le pouvoir de nous aider, les gars. Donc, un simple like, un simple commentaire. Vous consommez de la whey, allez chercher chez Broadway. Le code FUSION10 sur Broadway. Les gars, faites le péter ce mois-ci. Le code IRON1000, moins 25%. Ça, c'est bien, ça nous permet de manger gratuit. En plus, les gars, c'est des super plats protéinés. Vous pouvez respecter votre diète facilement. Pas de vaisselle à faire, j'allais dire pas de lessive à faire. Pas de beaucoup non plus. Ouais. Peut-être tu te laves pas, on sait pas. Hein. Parlez-en autour de vous. On essaie de vous ramener tout le game dans le Nord d'ailleurs. Jeu de loi, on va vous ramener Body Time très rapidement sur Lille. On est en pourparler avec Jean Honche et Iron Quest pour les ramener sur Arras. Le Corona Gym va revenir ici. Donc, on va essayer de vous ramener comme ça des personnalités que vous regardez peut-être sur les réseaux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Fitness Fusion. Force et fun.